Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix, et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe, et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter une petite mission, les fissures du néant. Et oui, parce que maintenant, pour récupérer des schémas Prime, eh ben il faudra aller faire des fissures. Et oui, des fissures, il va falloir les colmater, des fissures. Oula. Ça c'est bizarre ce que je viens de dire. Mais c'est vrai, il va falloir fermer la brèche, et ça vous allez voir, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Donc, effectivement, nos clés requis, nos clés Void n'existent plus, enfin, elles existent toujours, mais elles sont renommées en reliques du néant, vous allez voir. Et du coup, par rapport à ces reliques-là, on va pouvoir récupérer des schémas Prime. Donc, c'est simple, on va y aller. Voilà, merci Inaros. Et oui, Inaros en rose, il a la hype, il est trop fort. Alors, vous voyez, donc le niveau. Non, non, l'Allemagne s'est fait battre, c'est bon. du coup, donc vous voyez, le niveau de difficulté, c'est par rapport au symbole. Donc plus il y a de symboles, plus vous voyez que le niveau est de 39-41, par exemple, pour un sauvetage, etc., etc. Donc là, moi, par exemple, on va pas en prendre une très très dure pour vous faire voir. On va prendre la toute première. Donc la toute première se présentera sur Mars, et vous voyez, nos Ferrero Rocher sont là. Donc les reliques LIT, S1, S2, F1, F2, V1, M1, A1, A1, voilà. Bon. Ceci dit, maintenant quand on clique dessus, voilà, par exemple moi je veux du Nyx Prime, bon bah là je pourrais en envoyant cette relique l'avoir. Le problème c'est que, enfin le problème non, c'est que vous voyez on a les chances de drop, donc ça c'est pas mal aussi parce qu'on sait où on va un peu. C'est que par exemple je peux avoir l'Agbanco Prime, le Nyx Prime, Carrière Prime assez facilement. Par contre, Kavaza Prime, Forma Prime ou la Soma Prime au niveau de la crosse, bah, vous voyez que les taux de drop sont vraiment très bas. Donc pour les avoir, ça va être un peu compliqué. Je peux avoir la chance de les avoir, mais ça risque d'être difficile. Ceci dit, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Donc vous voyez, quand on clique sur plusieurs, on a un peu tout ce qu'on peut gagner. Et là simplement, bah effectivement, moi j'aime bien le Nyx Prime, hein, ça fait des ducats. Donc on va y aller, allez. Donc là j'espère, alors voilà, là du coup vous voyez on est sur Mars. Voilà, il faudrait qu'on rejoigne une escouade. Donc, veuillez patienter. Bon, ça compte bugger longtemps comme ça ou... Ok, c'est gentil. Ah, ça y est, on rentre dans une mission, enfin. Oula. Donc vous allez voir comment il va falloir colmater cette fissure. C'est assez marrant. Par contre, j'espère qu'on va réussir à bien se connecter. Ouais, c'est bon. Donc, oula, déjà j'arrive, on se fait avoiner la gueule partout. Alors là, il va falloir chercher cette fissure. Donc, vous voyez, les gars, ils sont un peu partout. Là. Ils regardent où est-ce qu'elle peut être. Ah oui, allez, tiens-toi, dégage. Il y en a par là, là? Non, c'est bon. Par contre les gars, vous n'êtes pas obligés de partir. Voilà. Alors où est-ce qu'ils sont? Le problème c'est qu'il va falloir trouver la fissure. Et la fissure. C'est pas dit qu'on la trouve comme ça directement. Donc là, il va falloir regarder un peu partout. En plus sur celle-ci, j'ai jamais fait. Donc déjà c'est sûr, c'est pas là. Bon, il faut chercher un peu. Hein. Donc là, avec ces... Seb Game 2, on est avec Atomic et Atomic de machin. Bon, ok. J'ai gagné du focus, ça c'est génial. Allez, on va dans le trou. Wouhou! C'est super! Allez, on trouve la fissure, les gars. Ça serait plutôt pas mal. D'ailleurs, elle est pas derrière nous? Non, c'est bon. Oui, je suis un peu à la traîne. Hein. J'essaie de vous faire voir en même temps. Toujours pas de fissure, allez. Faut qu'on colmate la fissure. Oula. Ah, ça sort des amis pour moi, ça. Non, c'était pas pour toi. C'était pour moi, tu vois. Tu n'as pas le monopole des syndicats, mon petit. Ouah, voilà, allez. Ah, ça y est, ils vont s'engueuler. Quoi pour toi? Allez, vous voyez, c'est bon. On les a fait se taire. Voilà. Non, mais c'était pas Stalker, les gars.
Stalker ou un truc du genre. Donc là, voilà, ça représente bien les personnes qui... Bon, la fissure, où es-tu? La fissure. Eh ben la voilà, la fissure. Eh ouais. Donc là, voilà. Et on va la sceller. Donc il va falloir shooter les mobs qui vont arriver. Et ces mobs vont lâcher des petites orbes jaunes qu'il va falloir foutre dedans. Donc en général, ça va apparaître un peu partout. Et ça serait bien qu'on ait... Parce que là, pour le moment, vous voyez, on est à 0%. Voilà, donc là, vous voyez, une petite orbe là, qui vient d'arriver. Hop, je la prends. Et je vais aller la foutre dessus. Et voilà, et vous voyez, il va falloir monter de 10 en 10 à chaque fois. Donc là, il n'y a pas d'orbe. J'espère qu'ils ont compris le système. Ouais, c'est bon, on est à 20. Alors là, il n'y en a pas d'autres. Et puis là, effectivement, on se fait avoiner la gueule. Voilà. C'est bien. Où sont les autres? Où sont les femmes? Non, non, non. bon, les gars, là, on est à 30%. Ce serait bien qu'ils se dépêchent. J'ai pas envie de fail ma fissure. On a quand même que 2 minutes et des brouettes pour le faire. Donc, effectivement, ça nous laisse encore du temps. Hein. On a de quoi faire. On a 50%. Moi je trouve... Ah, il y en a une qui est tombée là. Mais il me les pique à chaque fois. Ah. Les gars, voilà. Bon, on est à 60%, ça va. Tu comptes me donner une orbe? Mais il me saoule lui. Ah, il y en a une là. Voilà. C'est bien parce que ça fait du bruit, ça chante et tout. Les ramasse là. 90. Allez, il ne reste plus qu'une à mettre et c'est bon. Cette fissure va bientôt se colmater. Et c'est moi qui vais la colmater. Oh. Et voilà. La petite fissure se colmate. Voilà. On a rebouché le trou. Bon, sans sous-entendu. Allez, on y va, c'est bon. On va finir notre... Donc vous voyez, il nous reste... Notre petite exter a terminé et la mission sera finie pour récupérer nos pièces prime. Donc là, plus d'état d'âme. Bon là, on sait, bon, on a terminé 212 sur 212. Youpi, voilà. Donc merci bien les gars. Donc là, ben, je vais choisir, donc vous voyez, bon, ce soit le hack Bancro Prime, il y en a qui choisissent le format. Moi perso, je vais choisir. Bah, les poignées, tiens. Allez, les poignées Frank Prime. Et donc, il va falloir faire ça régulièrement pour récupérer justement des petites balayages nouveaux. Tu vois, je l'avais pas celui-là. Là, je voulais vraiment vous faire voir les fissures du néant. Et vous avez vu que c'est... En plus, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le concept. Je trouve ça sympa. Mais voilà, je voulais vous faire voir ça un petit peu en vidéo. Eh bien, écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Castelix. Ciao, ciao. Hey, et oui, et si tu n'as pas vu la dernière vidéo, tu n'as qu'à la regarder ici. Et puis, bah, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi ici. Allez, écoute, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.